Oh shit, mes cheveux, merde. Salut tout le monde, c'est Tugamer et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo. Et aujourd'hui je vais parler d'un sujet auquel j'ai jamais parlé sur ma chaîne YouTube, ok, mais je pense que c'est le temps d'en parler. Faut savoir, ok, que. En passant, oui, je vais vous parler dans le fond de ce que vous avez vu dans le titre. Oui, j'ai déjà piégé un pédophile. Et oui, c'est vrai, et c'était un YouTuber à 30 000 abonnés. Là, je sais pas s'il est encore sur YouTube, il va falloir que j'aille voir après. Je sais pas. Je sais pas si voilà ou quoi, mais je sais que j'ai déjà piégé un pédophile quand ça fait longtemps par exemple de ça. Bref, peu importe. Et d'ailleurs, avant de commencer là, je viens de voir ça, ok, je sais pas, là j'ai regardé un peu de vidéos pour m'informer un peu pis tout. Je le connais pas le gars, il s'appelle Arouf Gangsta, je sais pas c'est qui du tout, ok, je le connais pas. Mais j'ai vu plein de vidéos sur lui pis tout, et franchement là... En fait, ce que j'ai envie de faire, guys, ok, Arouf Gangsta, ce qui paraît, c'est un gars, on a appris ça, c'est un gars, je pense, un gars, un rappeur, je pense, ou je sais pas, en tout cas, un truc, je sais pas, je le connais pas. Et c'est un pédophile. Vraiment, il demande à des adolescentes d'envoyer des nudes, puis il force, il menace, puis tout. On a eu plein de preuves de ça, en tout cas. Et savez-vous ce que j'ai l'intention de faire? J'ai envie, ok, peut-être, on verra. J'ai envie de le piéger lui aussi. Je vous jure que j'ai envie de le faire. Je serais game. Ce que je ferais, c'est que je créerais un faux profil. Un faux profil d'une fille. Je mettrais une fille. Puis j'essaierais d'en faire en sorte de. Tu sais, voilà, de le piéger pour qu'il tombe dans le panneau. Pour après ça, ben, pouvoir le piéger, puis après ça, me foutre de sa gueule. Parce que je te jure, en fait, ce que j'ai l'intention de faire, c'est ça. Puis après ça, je vais arriver, je vais lui envoyer un message vocal, genre s'il tombe dans le panneau. Puis je vais arriver, là, je vais parler avec ma voix de gars, puis tout, là, il va m'insulter, là, puis tout. Mais je vous dis, j'ai envie de le faire, ok, parce que je supporte pas les pédophiles, ok, genre, c'est horrible. C'est des bâtards. Et tout ça là, écoutez, s'il y a des pédophiles qui se passent à la vidéo, dites-le moi en commentaire, je vous jure, on se donne rendez-vous, je te jure, en face à face, je vous jure. Donc, sérieusement, non mais sérieusement là, les pédophiles là, vraiment là, je sais pas comment c'est possible d'être aussi pervers que ça. C'est vraiment dégueulasse, vraiment. Vraiment, en tout cas, je sais pas quoi dire. En tout cas... Bref, on va aller dans le sujet. Dans le fond, ça date de très longtemps, guys. C'était encore mes débuts sur YouTube. Je pense que ça faisait un an et demi que j'étais sur YouTube. Un truc du genre. Peut-être 2 ans, gros maximum. Puis, j'avais fait une vidéo à emmener, une vidéo magie où je faisais un tour de magie. Puis lui, il est tombé sur cette vidéo-là. Puis, c'était un magicien pro, ok, c'était un YouTuber qui avait 30 000 abonnés. Je me souviens plus de son nom, ok. J'aimerais ça vous le dire, puis vous l'afficher en vidéo. Mais malheureusement, je me souviens plus de son nom. Va falloir que je check, je pense que je l'avais bloqué, je pense. Je me souviens pas. Va falloir que je check. Puis c'est ça, c'était un YouTuber à 30 000 abonnés, puis il me dit, « Hey, est-ce que t'aimerais ça que je t'apprenne des... est-ce que... de Skype ou un truc du genre, un réseau social, pour qu'on puisse parler, puis on ferait des appels, puis je te montrerais des tours de magie pro. » Fait, moi, tu sais, au début, je savais pas, j'étais genre, ben, c'est un magicien pro à 30 000 abonnés, puis tout. Fait que, ouais. Fait que j'accepte. C'est un YouTuber français, d'ailleurs, il vivait à Paris, je pense. Je suis plus sûr. Il me semble que c'est ça qu'il m'avait dit, en tout cas. Fait que là, je dis oui, normal. Je le savais pas, là, au début, moi, je vois 30 000 abonnés sur YouTube. Un magicien professionnel, j'ai dit pas non. Fait que là, j'accepte. Fait que là, je dis ouais. Fait que là, je vais sur Skype. Je l'ajoute. Il m'accepte. Au début, c'est ça, on fait notre premier appel vidéo sur Skype. Et c'est là que tout a commencé. Fait que là, au début, il me dit, dans le fond, qu'il habite... Il me semble qu'il m'avait dit qu'il habitait à Paris, puis des trucs du genre, il m'a demandé mon nom, puis tout, on fait une petite connaissance. Fait que là, moi, je m'attendais à avoir une nouvelle amie, tu sais, pour apprendre des tonologies, puis tout, tu sais, je trouvais ça nice, tu sais. En plus, il paraissait fucking gentil au début. Après ça, il me dit,
Je vais t'apprendre des tours professionnels, ok? Mais pour ça, au four, tu fais ce que je te dise. Là, au début, j'étais genre. Ok? Tu sais, j'étais genre, c'est ok, puis c'est quoi ces affaires-là? Là, il arrive, il me dit. Là, on va commencer, je vais t'apprendre un tour de magie. Mais pour ça, faut que tu fasses des push-ups en bobette. Là, à ce moment-là, c'est là que j'ai réalisé que j'avais face à un pédophile. Fait que là, dans la tête, j'étais genre, ok, je viens de comprendre qu'est-ce que je fais. Fait que là, en fait, j'étais genre, est-ce que je quitte, je le bloque, puis voilà. Ou est-ce que je fais genre comme si rien n'était. Bon, bien sûr, les push-ups, j'ai fait pas en bobette. Puis je fais comme si rien n'était, puis je trouve une excuse, je suis genre, non, ben là, je peux pas parce que voilà, ou je sais pas. Fait que j'ai décidé de faire comme si rien n'était, ok? Je les ai pas fait les push-ups, bien sûr, j'ai trouvé une excuse pour quitter. Puis là, dans ma tête, moi, j'étais genre, what the fuck? Puis après ça, par la suite, on refait un appel plus tard. Parce que j'avais quitté ce coup-là, puis j'avais trouvé une excuse, mais c'était quoi? On se rappelle plus tard. Là, il m'a dit un autre enfant, il me dit fait que oublie pas, là, si tu veux faire des trucs, il va falloir que tu fasses ce que je te dis. Fait que si je te demande de te mettre en bobette, faut que tu le fasses. Si je te demande de te mettre en de te mettre en bedaine puis de montrer ton corps, faut que tu le fasses. Je vous jure, il me disait des affaires de même, hein. Là, j'étais genre, ok, lui, c'est vraiment un gros fils d'up. Puis voilà, déjà, de un, je suis pas gay. Déjà, de un. Ok, je suis hétéro, j'aime que les filles. De deux, t'as genre 25 ans, j'ai 13 ans, donc va chier. Ok? Donc moi j'étais genre, ok, lui, puis je vais le niaiser lui. Fait que là, j'ai encore trouvé une excuse, tu sais, on a parlé un peu, puis tout, trouvé une excuse. En arrivant, il me réécrit, là j'ai dit, gars, écoute, t'es un gros pédophile, t'es un fils de voilà, t'as un enfoiré, voilà. Hey, je l'ai insulté de tous les noms. Hein. Puis après ça, c'est ça, j'ai dit, gars, tu me montres de me mettre en bobette, puis de faire des push-ups, puis tout, t'es juste un gros pédophile de merde. Puis tout, en tout cas, hey, je vous dis, j'allais insulter, ça date d'il y a longtemps, ça. Après ça, il était le genre, mais non, mais c'est pas vrai, c'est juste, c'est le jeu, c'est comme ça, sinon je peux pas t'apprendre les tours. Là, j'étais genre, De quoi tu jases? Genre, tu pourrais me demander, genre, te promettre de rien dire, tu sais, c'est des tours de magie, mais pas de faire des push-ups en bobette, ouais. Si bol. Fait que c'est ça, je vous dis, le pire, c'est qu'il avait 30 000 abonnés. J'étais choqué. Mais c'est ça, là, genre, j'ai piégé un pédophile. Puis voilà. Genre, je sais pas. Il est atterri sur ma chaîne, il a vu ma vidéo magie. Il m'a invité à parler pour qu'il puisse m'apprendre des tours. Puis il me demande de faire des affaires fuckées. Bien sûr, j'en ai fait aucun, je vous rassure. Hein, non, je suis pas con non plus. Là. Je n'ai pas fait. Je l'ai juste insulté ben raide. Puis, hey, j'aimerais ça me rappeler de son fucking nom de merde. En tout cas, bref. C'est ça. Et que voilà, donc c'était un Parisien, je pense. En tout cas, j'ai même plus envie d'en parler, en fait. C'est juste horrible. C'est dégueulasse. Genre, je sais pas. En tout cas, voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Puis vraiment, là, les pédophiles, franchement, là. C'est n'importe quoi. C'est juste vraiment n'importe quoi. Bref, en tout cas, c'est ça. Puis si vous voulez qu'on piège Arouf Gangsta, là, ou je sais pas trop quoi, là, son nom de marde, je vais peut-être le faire. Ça pourrait être vraiment drôle. Puis je rirais de sa face. En tout cas, on checkera ça. Moi, j'aimerais ça le faire juste pour le niaiser, ça pourrait être. Vous dis, j'ai pas peur que c'est un pédophile, je veux dire. C'est un lâche, un fils de. Voilà, je vais pas non plus m'énerver en vidéo. Parce que je pense que je suis en train de m'énerver. Mais, je vous le dis, on va peut-être le faire. Ça pourrait être drôle en tabarouette.
J'ai déjà d'autres irritants en plus qui me viennent en tête sur lui. En tout cas, on verra ça, puis on va peut-être le piéger. Ça peut être drôle. Tu commences à regarder, puis faites attention à qui vous parlez, puis tout, parce que les gens, là. Tu peux faire confiance à personne à ce temps, quasiment. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé, puis voilà. Ciao tout le monde, n'oubliez pas de liker, vous abonner, activer la cloche de notification, puis voilà. Merci, ciao.